sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance. Et gisi ile uwezo yake ya Mungu ilitupatia yote yenye tasaidia kwa ajili ya uzima, kwa ajili ya utawa, kupitia ujuzi appelé par sa propre gloire et par sa vertu. Et yeye mwenye alituita kupitia utukufu yake na fadhili yake. Celle-ci nous assure de sa part le plus grand, le plus précieuse promesse. Yeye mwenye anatuhakikishia kwa ngambo yake ile malako kubwa. Enfin, que par elle, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ili kupitia hayo mpate kukua wanashiriki ya ile asilia ya umungu kwa kuwakimbia ile uharibifu enyeko duniani kupitia tamaa. A cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre dans votre foi la vertu. Et kwa ajili ya ile mufanye yote iwezekanavyo kwa ajili ya kuongezea kwa imani yenu fadhili. À la vertu la connaissance. Kwa fadhili mpate kuongezea mujuzi. À la connaissance la maîtrise de soi. Ujuzi muongezemo kiasi. À la maîtrise de soi la patience. Kwa kiasi muongezea muvumilivu. À la patience la piété. Kwa uvumilivu mpate kuongezea mutawa. À la piété l'amitié fraternelle. Kwa utawa muongezemo mapendo ya undugu. L'amitié fraternelle l'amour. Kwa mapendo mapendo. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, kwa sababu kama hizo vitu ziko ndani yenu na ziko katika utele, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Aita miache mupate kustawi fasi moja wala watasa kwa ajili ya ujuzi wa Bwana wetu Yesu Kristo. Et celui en qui ces choses ne sont point est aveugle, na yule mwenye hizo vitu ziko ndani yake iko kipofu, de loin. Na yeye aone mbali. Et il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Alakini alisaulika maondolevu ya dhambi yake ya zamani. C'est pourquoi frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation par votre vocation, votre élection. Ndio maana ndugu mujikankamishe sana kwa ajili ya kupata ile kuitwa kwenu. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Kwa sababu kwa kufanya ile amutaanguka kamwe. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Hivi basi kwa kufanya ivile njo kwa uingia kwa ufalme wa milele Bwana wetu Yesu Kristo itamipewa kwa upana. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Bwana aongeze mbaraka kwa usomi ya neno lake. Précieux notre Père céleste. Wadamani baba wetu wa mbingu. Te sommes fait de ma reconnaissance ce matin. Kabisa subuhi ya leo tunajaza shukrani kwa jour memorial de ta résurrection. Hii siku kuu ya ufufuko yako. Pour la grâce que tu nous offres d'être encore une fois de plus dans ta maison. Ile neema yenye natupwa tukue tena mnyumba yako asubuhi ya leo. Que ta présence soit parmi nous Seigneur. Acha Bwana uwepo yako ipate kuwa katikati yetu. Que tu nous bénisses au travers de ta parole. Na utubariki kupitia neno lako. Viens prendre contrôle de tout cet auditoire. Beba uchukue uongozi ya hii kusanyiko yote. Que toute la puissance du diable soit neutralisée et renvoyée en enfer au nom de Jésus Christ. Ya shetani ipate kupozesha kupoteza nguvu mujina Bwana Yesu Kristo. Donne à ton peuple la joie du salut. Na utupatie kabisa furaha ya wokovu. Une bonne atmosphère pour recevoir ta parole. Na utupatie uwepo kwa ajili ya kupokelea neno lako. Chassons tous les esprits de faiblesse. Tunafukuza roho yote ya udhaifu. De distraction, de mauvaise pensée. Ya kupeleka mbali mawazo. Et donnons une attention soutenue. Utupasaidie kabisa tufuate vizuri. Que la parole qui va sortir reste gravée en nous Seigneur. Ile neno yenye tatoka ipate kabisa kulamatishwa kwetu. Te prions que tu nous amènes à la stature de l'homme parfait. Tunakuomba tufikize umri ya mtu mkamilifu. Mon désir c'est d'être comme toi. Nia zetu ni kukufananana. C'est pourquoi accorde-nous cet aspect. Ndio maana Bwana tupatie hayo. Tu as dit tout ce que vous demanderez au Père à mon nom. Ulisema yote mwenye tutaomba kwa Baba mujina lako. Ayez la foi que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Mukwe na imani ya kwamba mulipokea na mtaiona kufika. Tes enfants sont là dans ta maison. Watoto yako wamefika nyumbani mwako. Ils ont des problèmes, ils ont des difficultés. Wako na mambo, wako na magumu. Te prions que tu sois la solution. Tunakuomba upate kuwajibu. À chacune de leurs problèmes. Mukila mambo yenye wako nayo. Que personne ne quitte ici tel qu'il est entré. Kusikwe ule mwenye atatoka hapa gisa aliingia. Que chacun voie la main de Dieu, la solution de l'éternel. Kila mmoja apate kuona mkono wa milele sawa jibu kwa mambo yake. Viens maintenant parmi nous Seigneur. Kuja sasa baba katikati yetu. Car nous t'invitons. Kwa sababu tunakuita. Prends place au milieu de nous. Et kuchukue fasi katikati yetu. Laisse que ton esprit puisse se mouvoir. Acha roho yako ipate kutembea. Au nom de Jésus Christ. Mujina Bwana Yesu Kristo. Nous avons ainsi prié. Ndio tunaomba hivi. Amen. Amina. Nous vous saluons tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Saluons aussi tous nos invités qui sont parmi nous ce matin. Et
Tunasalimia pia wale wageni wetu wote wenyoko katikati yetu asubuhi ya leo. Nous vous souhaitons la bienvenue dans la maison du Seigneur. Tunamikaribisha kabisa ndani ya nyumba ya Bwana. Sentez-vous chez vous. Mujisikie kabisa nyumbani. Ici a de la place pour tout le monde. Hapa kuna fasi kwa ajili ya kila mtu. Sommes en train de parler sur la stature d'un homme parfait. Tuko nazungumza kuhusu ile kiumo wala umri ya mtu mkamilifu. La dernière partie. Tuko mwile sehemu ya mwisho. L'amour, la charité. Yenye iko mapendo wala charité. Qui est la tête, la pierre de fête. Yenye iko kichwa na jiwe ya chombo au yenyewe. Je voulais ajouter encore quelque chose dans Matthieu chapitre 5. Nilipenda kuongezea kitu fulani tena katika Mathayo sura yake ya 5. Verset 42 jusqu'à 48, la Bible dit ceci. Mustari yake kuanzia 42 mpaka 48 Biblia inasema hivi. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Et upatie yule mwenye anakuomba na ule mwenye anapenda kukongola kwako usimkatalie. Vous avez appris qu'il a été dit tu aimeras ton prochain. Mulipata kujua ya kwamba ilisemezwa kwamba mtapenda jirani yako. Et tu haïras ton ennemi. Na utachukia adui wako. Mais moi je vous dis. Lakini mimi namielezea. Aimez vos ennemis. Mupende wadui wenu. Bénissez ceux qui vous maudissent. Mubariki wale wenye wanamilaani. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et mutende mazuri wale wenye wanamichukia. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Et muombee wale wenye wanamiteswa. Et qui vous persécutent. Na wenye wanamiteswa kabisa. Afin que vous soyez fils de votre Père. Ili mupate kuwa wana wa baba yenu. Qui est dans le ciel. Mwenye iko mbinguni. Car il fait lever son soleil sur le méchant et sur les bons. Kwa sababu yeye anaamsha jua yake kwa ajili ya wakali pia wale wazuri. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Na ananyesha mvua yake kwa ajili ya wahaki na wasio wahaki. Si vous aimez ceux qui vous aiment. E kama nini mnapenda mpaka wale wenye wanamipenda. Quelle récompense méritez-vous? Malipo gani mnastahili? Le publicain n'agit-il pas de même? Eti watu wa dunia au pia watenda kivile? Et si vous saluez seulement vos frères. Kama nini mnasalimi tu wa ndugu zenu? Que faites-vous d'extraordinaire? Mnafanya kitu gani ya kipekee? Les païens n'agit-il pas de même? Eti wapagano pia wao wafanya kivile? Soyez donc parfait comme votre Père céleste est parfait. Kuweni kamilifu gisi baba yenu wa mbingu aliyo kamilifu. Et nous devons atteindre à cette perfection. Unapasha kufikia ile ukamilifu. Et si nous pouvons suivre les directives de la parole. Kama tunaweza kufuata uongozi ya neno. Faire ce que Dieu nous recommande dans sa parole. Kufanya kile yenye Mungu anatuomba kuneno lake. Nous serons réellement des hommes et des femmes parfaits. Sisi tutakuwa wanaume na wanawake kabisa wakamilifu. Et vous devez savoir que le Dieu qui nous demande d'atteindre la perfection. Kwa sababu mnapaja kujua ule Mungu mwenye anatuomba tufikie mukamilifu. Il a aussi fourni les moyens. Yeye alitayarisha namna ya kuifikia. C'est que le prophète dit dans le message le premier saut. Ile ndio yenye nabii anasema katika mahubiri muri wa kwanza. Paragraphe 81. E kifungu yake ya 81. Jésus a dit soyez donc parfaits. Yesu alisema kuweni basi kamilifu. Comme votre Père céleste est parfait. Jinsi baba yenu wa mbingu aliye kamilifu. Et comment pourrions-nous avoir namna gani basi tunaweza ne serait-ce que l'idée d'être parfait. Et tunaweza kufikia kabisa kuwa mkamilifu. Pourtant Jésus l'a exigé. Wakati yenye Yesu yeye mwenyewe alilazimisha. Et si Jésus l'a exigé. Kama Yesu alifanya malazimisho. Il doit en fournir les moyens. Ni kusema anapasha kutayarisha namna kuifikia. Et il l'a fait. Na yeye tayari alishaifanya. Son propre sang. Ile damu yake mwenyewe. Qui est la parole. Yenye iko neno. Il exige de nous la perfection. Ye anatulomba tufikie mukamilifu. Et Bwana mjiki que lui qui nous demande la perfection. Ndugu masema yeye mwenye anatuomba ukamilifu. Il doit fournir les moyens. Ye anapaja kutayarisha namna kuifikia. Il l'a fait. Na yeye tayari alishaifanya. Pourquoi il dit que nous devons être construits de même matériau que Jésus Christ. Ndio maana nasema tunapaja kujengewa na vyombo moya moya sawa Yesu Kristo. Et nous avons vu avec vous qu'en Jésus il y avait toutes ses vertus. Et la foi, la vertu. Et tuliona pamoja nani ya kwamba ndani ya Yesu kulikuwa ile mafadhili yote. La connaissance, imani, la tempérance, la patience, uvumilivu, la piété, utawa, l'amitié fraternelle, urafiki wa ndugu, et l'amour du vent. Na mapendo ya umungu. C'est ce qui constituait Jésus-Christ. Ile ndio ilikuwa ikitunga Yesu Kristo. Et personne ne pouvait aller vers un Dieu parfait s'il n'est pas parfait. Na hakuna yule mwenye angeweza kwenda kwa Mungu mkamilifu kama yeye mwenyewe.
C'est pourquoi il voulait nous ramener dans l'état qu'était Adam dans les jardins d'Eden avant la chute. Mais comment est-ce que l'on pouvait devenir encore ce qu'Adam était? Alors que l'homme avait déjà pris la parole, il était sorti de sa zone de sécurité. Le Seigneur a pourvu. Il a fourni le moyen afin que nous puissions redevenir ce que Adam était. C'est pourquoi je vous avais dit que la personne qui ira dans l'enlèvement, ce n'est que la personne en qui résident toutes ses vertus, et la personne qui a le Saint-Esprit. Et on a lu avec vous le Écritures. Frère Branham nous a dit que le Saint-Esprit ne vient pas avant ses vertus. Mais le Saint-Esprit vient après avoir reçu ce vertu de deux pierres. Et tout celui qui n'a pas ces vertus n'a pas le Saint-Esprit. Tu peux avoir des sensations. Tu peux avoir des tremblements. Tu peux même avoir pleuré quand tu pries. Cela ne veut pas dire le Saint-Esprit. Tu peux même prophétiser. Parle en langue. Interpréter de l'homme. Frère Branham dit que ces choses, vous pouvez le manifester en dehors du corps. Parce que ce sont des dons. On est avec. Mais le Saint-Esprit, on n'est pas avec le Saint-Esprit. Vous recevez le Saint-Esprit après avoir été né dans le corps. C'est pourquoi nous devons fournir tous les efforts pour atteindre cette perfection qui est vraiment une grande chose, une bénédiction pour vous. Et nous avons vu que c'est quand vous atteignez cela que le Seigneur pourra vous donner la bénédiction. C'est qui vous appartient. Et je vais lire quelque chose dans la statue de nos parfaits. Page 60. Je prends les paragraphes 2 jusqu'à 4. Et la Bible n'en parle-t-elle pas? Est-ce l'image que la Bible nous présente? C'est ce que j'essaie de dire, frère. Aujourd'hui, ils disent cela fera avec ça une bonne église. Cela unira le protestantisme. Cela semble bon à l'œil naturel. Mais la connaissance de ce monde est de la folie pour Dieu. Et il a plu à Dieu à travers la folie de la prédication de sauver ceux qui sont perdus par une fonction divine qu'il a établie dans son église pour construire l'église sur ses qualités spirituelles. Le ministère, ce n'est pas pour rendre l'église charnelle. Non, le ministère, Dieu l'a donné pour sauver les perdus et pour construire l'église avec ses qualités spirituelles. Et ce sont des qualités qui doivent commencer à la chair vers le bon. Parce que l'homme ne transmet que ce qu'il a. Et Frère Branham dit, et pas sur quelque chose qui a à rapport à la terre. Pierre a dit, et parce que vous avez fui la corruption qui existe dans le monde par la convoitise de l'argent et la convoitise des amusements, du plaisir, manger, boire, et la convoitise que nous avons. Vous avez fui cela et maintenant vous êtes édifiés.
pour vous donner des moyens d'existence. Amen. Amina. J'adresse cela à l'église. A-t-il dit voilà, ça y est, l'avez-vous lu, l'avez-vous saisi, l'avez-vous entendu? Quand nous l'avons lu auparavant dans 2 Pierre, écoutez simplement ce qu'ils disent. C'est si beau comme c'est écrit et la manière dont il le présente. Très bien, écoutez-le maintenant. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. Et comme sa divine puissance nous a donné tout, donc qui va hériter la terre et toutes choses, il dit oui certainement. Ce qui contribue, il dit oui très bien. Ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assure de sa part le plus grand, le plus précieux promesse, enfin que par elle vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption. Écoutez cela, qui existe dans le monde par la convoitise. La convoitise de l'argent. Vous devez fuir cela. La convoitise de grandes choses. La convoitise de la popularité. Vous devez fuir. La parole nous demande de fuir devant la femme et de fuir aussi devant la convoitise de l'argent, la convoitise des grandes choses, la convoitise de la popularité. Ces choses sont mortes pour les croyants. Est-ce que les croyants peuvent dire amen? Un croyant ne convoite jamais l'argent. Il n'a pas la convoitise de grandes choses, la convoitise de la popularité. Il dit pour nous importe. Il dit paix nous importe. Il dit une tente ou une petite maison. Pourquoi m'en faire? Que je vive ou que je meure, quoi qu'il advienne, voici la chose qui m'intéresse, le royaume de Dieu. Que je conserve ma maison, que je conserve ma famille, que je conserve n'importe quoi. Laissez-moi conserver Christ, l'espérance de la gloire. Il dit faites-moi grandir dans ceci. Oh Seigneur, que Christ soit ma tête, que cela agisse à travers moi sur le fondement de ma foi qui est en lui, que la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété et l'affection fraternelle agissent à moi. Est-ce que chacun peut dire aussi la même chose? Fais-moi grandir dans ceci. Oh Seigneur, que ces vertus agissent à moi. Oh Seigneur, c'est ma prière. Peu m'importe que je vive ou que je meure, quoi qu'il advienne, dénomination ou pas dénomination, ami ou
pas d'amis, que cela agisse à moi. Que la vertu de Christ, sa connaissance, s'écoule afin que je puisse enseigner cela. Car Dieu a placé dans l'église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes, tous pour le perfectionnement et l'introduction en elle de toutes ces vertus. Pour arriver à cette perfection c'est la venue du Fils de Dieu. Amen. Amina. Amen. Amina. L'utilité du ministère c'est pour le perfectionnement de l'Église et l'introduction en elle de toutes ces vertus. Voilà le cheval de bataille de chaque prédicateur. Va transmettre l'incrédulité. Non, cherchez à transmettre ce vertu. Cherchez à amener les gens à la perfection. Un véritable serviteur de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui entre en contact avec l'autre et il les déstabilise dans la foi. Il le rend incrédule. Non, ça, ce n'est pas un vrai Ephésiens 4. Amen. 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 Laisse que Jésus soit notre tête. C'est pourquoi je vous avais dit que celui qui est descendu, il est la tête de l'église. Et frère Branham dit que c'est l'intelligence qui est venue dans cet âge. L'intelligence pour nous apprendre comment marcher, comment éviter certaines choses. Qu'est-ce que nous devrions faire? Et ce qu'on ne doit pas faire, et ce qu'on aurait dû faire, et ce qu'on ne devait pas faire, et ce que nous deviendrons en faisant ce qu'il a dit. Et cette intelligence, une fois que vous la recevez, elle vous contrôle. Parce que cette intelligence, elle est la force de toutes ses vertus. C'est cette intelligence qui fait fonctionner ses vertus. C'est pourquoi tu peux fabriquer le christianisme, tu peux te montrer que tu es saint. Mais à un moment donné, tu remarqueras que ça ne marchera pas. Parce que c'est quelque chose que tu fabriques. Mais un véritable chrétien doit être authentique. Il doit s'abandonner à Dieu. Laissez que Dieu soit votre Seigneur. C'est pourquoi le saint prophète dit, celui-là qui est venu, il est notre Seigneur. Et le prophète dit, le Seigneur, c'est le propriétaire. C'est lui qui contrôle. Le propriétaire de l'église, c'est celui-là qui est venu dans la nuée. Et frère Madame dit, il vient pour réclamer, faire valoir sa propriété. Après avoir payé le prix, il devait entrer dans le sang des saints pour que le Père puisse la créer. Le Père devrait accepter le travail. Et le prophète dit, la preuve que Jésus a été accepté dans le ciel, c'était le retour du Saint-Esprit. C'est pourquoi Jésus avait dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Que si je suis avec vous, je ne serai pas sûr que le Père accepte l'offrande. Parce que chaque souverain sacrificateur devrait entrer dans le sein de sang pour aller présenter le sang, pour que le peuple obtienne le
Paul dit dans Hébreux 9, c'est lui qui est apparu. Amen. Amina. Il apparaîtra pour la seconde fois sans péché. C'est pourquoi quand il apparaît, il est le juge suprême. Quand il apparaît, c'est le jubilé dans le camp. Quand il apparaît, c'est la délivrance. Quand il apparaît, nous ne sommes plus des pécheurs. Le pardon a été accepté. Amen. Amina. Notre propriété. Il vient faire valoir. Il dit c'est pour moi. Ça m'appartient. Je l'ai racheté. J'ai payé le prix. Et là le diable n'a pas d'autorité. Laissez-moi vous dire que cette tête qui est votre Seigneur a déclaré sur vous un grand shalom. Il a déclaré la paix. Si tu avais une vie troublée, ce matin, reçois la paix. Amen. Amina. S'il y a quelque chose qui ne marche pas, laisse ce matin que cela puisse marcher. N'appartenons pas au diable. Nous appartenons à Dieu. Le propriétaire lui-même est venu. Quand le propriétaire vient, le locataire, celui qui avait occupé illégalement, doit sortir. Amen. Amina. Et je le déclare ce matin que tous les locataires libèrent ta vie. Que tous les démons libèrent ta vie. Amen. Amina. Le propriétaire lui-même est venu. Il réclame. Anadai. C'est pour moi. Il m'appartient. Il est à moi. Il est à moi. Amen. Amina. Et rien ne peut te retenir. C'est pourquoi quand vous voyez cette sagesse, cette intelligence, la pierre de fête, quand il vient, coiffer, il vient sceller. Et une fois que vous êtes scellé, il n'y a pas un inspecteur qui peut ordonner qu'on t'arrête et qu'on ouvre les wagons. Une fois que les wagons est scellé, c'est jusqu'à la destination. Et une fois que le Saint-Esprit vous scelle, c'est jusqu'au jour de la rédemption. C'est jusqu'à dans la gloire. Amen. Amina. Amen. Amina. C'est pourquoi nous devons avoir cela. Amen. Amina. Il dit voilà. Qu'est-ce? Ninini. Joignez à votre vertu. Voyez-vous laisser cela tranquille. Dieu sait comment s'y prendre. Dieu sait comment faire pour que ces choses arrivent. Amen. Amina. C'est la page 65. Dernier paragraphe. Il dit Dieu sait comment faire pour que ces choses arrivent. Laissez-les dire ce qu'ils veulent. Cela ne change rien. Continuez à avancer. Ne vous arrêtez pas. Car Dieu lui-même sait ce qu'il est en train de faire. Amen. Amina. Amen. Amina. Et quand vous joignez à votre foi la vertu, joignez à votre vertu la connaissance, à votre connaissance la tempérance, à
votre tempérance, la patience, à votre patience, la piété, à votre piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, le Saint-Esprit. Et Christ viendra parce que juste au-dessus de lui, le Saint-Esprit se trouve l'Esprit de Jésus-Christ dans l'Église pour manifester ses vertus. Amen. C'est quand lui vient que ces vertus-là sont manifestées. Amen. C'est pourquoi les prophètes disent dans l'âge de Sardes, si vous lisez au paragraphe 115, il dit les chrétiens est rendu parfait par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous rend parfait. Amen. Et quand vous recevez cela, vous n'abandonnerez jamais la parole. Vous resterez toujours dans la parole. Amen. Parce qu'un chrétien réellement né reste fidèle à cette parole. Un chrétien réellement né reste fidèle à cette parole. Amen. Il n'abandonnera jamais la parole. C'est pourquoi il faut naître. Il faut naître pour que vous puissiez rester là. Parce que quand vous êtes né et que vous retrouvez la communion avec le Seigneur, la madame dit que cela vous donne la joie, ça vous donne la paix, l'intelligence, la confiance. Amen. C'est ce qu'il dit dans la communion par la réconciliation. Paragraphe 20. C'est la communion qui donne la paix, la joie, l'intelligence, la confiance. Amen. Amina. Amen. Amina. Et quand vous recevez cette intelligence, vous aurez la confiance et ce que Dieu a dit, il l'accomplira. Tu resteras attaché à la parole. Même pour ce qui peut arriver dans ta vie, tu sais que quand Dieu dit quelque chose, tout Dieu est sous serment. Il veille à ce que sa parole puisse accomplir. Amen. Amina. C'est pourquoi nous devons recevoir cette intelligence. Nous devons avoir cela. Et une fois que vous avez cela, vous verrez que toutes ces vertus que vous avez demandées à Dieu vont se manifester. Et sans cette intelligence, rien ne se manifestera. Et quand vous lisez dans Proverbe 9, verset 6, la Bible dit: abandonnez la stupidité et vous vivrez. Il dit: dirigez-vous dans la voie de l'intelligence. Dirigez-vous où? Dans la voie de l'intelligence. Et notre intelligence, c'est la charité, l'amour, la pierre de fête qui est venue. Et vous, nous devons nous diriger là. Une fois que vous recevez cela, c'est là que vous verrez l'accomplissement de ce que Paul dit dans Romains 12, le renouvellement de l'intelligence. Amen. Amina. Et vous aurez cela. Et cela pourra beaucoup vous aider. Amen. Amina. Amen.
Amina. C'est pourquoi nous devons réellement chercher cela. Une fois que vous avez cela, vous serez transformé. Vous ne pouvez pas recevoir cela et ne pas être transformé. Amen. Amina. Je vous exhorte donc, frère, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Romains 12, verset 1 à 2. Il dit: ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et sans cela, vous ne serez jamais agréable à Dieu. Et la volonté du Seigneur, vous ne l'accomplirez jamais. Amen. Amina. Mais que veut dire transformer? Lisons un peu la puissance de Dieu pour la transformation. C'est prêché en 65. Je prends le paragraphe 21. Dieu est bien ce mot transformé. Je consultais les dictionnaires hier. Je pratiquement oublié l'heure à laquelle je devais être ici. Alors que je cherchais un test et je trouvais ces mots ou ce test ou plutôt cette écriture, et le dictionnaire dit que c'est quelque chose qui a changé, ça doit changer, c'est transformé, rendu différent de ce que c'était. Amen. Amina. Ça a été son caractère. Et tout ont été changé en soi. Quand vous recevez cela, ça change de tableau. Donc, ce que tu étais, c'est ce que tu ne seras plus. Pourquoi le Seigneur lui-même manifestera sa gloire et sa puissance. C'est pourquoi ce qui change, ce n'est pas l'intelligence des choses de ce monde, mais c'est l'intelligence de Dieu qui nous ramène à l'Apocalypse 10. Amen. Amen. C'est pourquoi vous verrez la Bible dit que celui qui est intelligent, de la bête. Depuis que Jean avait parlé, qui a lu le nombre? Il n'avait pas de savants. Il n'avait pas de gens intelligents. Les gens ont fait des avions. Ils ont fait des véhicules. Ils ont construit des gratte-ciels. Ils ont fait des grandes choses. Mais lui, le nombre de la bête, personne n'a lu. Même quand cette chapeau-là a été amenée, Vicarius Filidei, il y avait des intelligents. Le catholique a des gens très sages. Le catholique a des gens très sages. Ils étaient là. Ils n'ont pas lu. Ils
il a fallu l'intelligence. Il est acquis ou il est acquis. Amen. Amina. Amen. Amina. Pourquoi Luther ne pouvait pas comprendre? Il n'était pas les yeux. On était dans l'âge de croissance. Il a fallu que les yeux arrivent. Et quand les yeux arrivent, Malachikat avec au-dessus de lui l'intelligence, la colonne de feu. Quand lui commence à regarder, il prend la Bible. Il dit, la Bible dit que celui qui est intelligent, qui lit les nombres, il dit, prenez maintenant votre stylo. Il commence à déchiffrer la chose. Il dit, ce que vous voyez écrit, c'est l'avenue 666. Amen. Amina. Cette intelligence, il est acquis, il est. Vous aidera à déchiffrer le diable. Vous aidera à déjouer cette tactique. Amen. Amina. C'est pourquoi Dieu envoie la lumière. Il envoie les yeux. Anatuma macho. La vision de l'aigle. Il est couronné à taille. Amen. Amina. Et il dit, Nanasema, pour mieux voir, vous devez porter mes lunettes. Et si vous n'avez pas mes lunettes, vous ne verrez pas clair. Et quelles sont ces lunettes? C'est le message prêché par William Branham. Et quand vous avez ce message, vous allez déjouer le plan du diable. Amen. Amina. Amen. Amina. Vous n'allez jamais adorer les diables. Quand vous recevez les lunettes et l'intelligence, c'est pourquoi cette pierre de fête, elle est venue pour vous. Recevez-la. Ne rejetez pas cela. Soyez en communion avec la pierre de feu. Et vous recevrez la vie. Vous recevrez la paix. Et vous verrez la gloire de l'Éternel. Amen. Amina. La puissance de transformation. 39. Il dit, c'est ce que nous désirons tous faire. C'est ne pas se conformer à ce monde, mais être transformé par le renouvellement de notre entendement pour faire la volonté parfaite et acceptable de Dieu. Maintenant que nous avons été sauvés comme nous le sommes et que nous avons été rendus remplis du Saint-Esprit comme nous l'avons été, maintenant nous désirons que la pensée qui était en Christ soit à nous, afin que nous puissions être transformés de choses naturelles de la vie et être amenés à faire la parfaite volonté de Dieu par la transformation de l'Esprit de Dieu par sa parole. Maintenant, mon sujet est la puissance de transformation. Nous devons recevoir cela. Et vous verrez un changement. Les choses anciennes vont
vont quitter. Et vous serez vraiment un homme qui a reçu cet renouvellement de l'intelligence. Et vous savez, quand vous recevez cela, vous deviendrez prudent. Jésus avait dit, soyez prudent comme les serpents. Et l'homme qui est prudent, c'est celui qui a l'intelligence. Il voit le mal de loin. Il sait éviter le mal. Il sait comment se comporter. C'est pourquoi je vous avais dit le vendredi. Vous pouvez voir un homme très intelligent qui occupe des niveaux un peu très élevés dans la classe sociale. Peut-être il est chef dans une entreprise. Mais quand vous regardez son comportement, vous vous posez des questions. Cet homme ici, est-ce qu'il est normal? Mais pourquoi il agit comme ça? Il faut Dieu pour que la personne soit normale. Amen. 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 Amina. C'est pourquoi le prophète dit, tout celui qui n'a pas Christ n'est pas dans son bon sens. Attendez-vous à tout sauf rien. Quand tu peux voir la personne dans la même parcelle où il est avec son épouse, il peut aimer la fille du voisin. Il ne voit pas le mal de loin. Il ne voit pas les conséquences. Ça ne lui dit rien. Un homme animal. Il n'a pas l'intelligence. Mais l'homme qui a reçu la bienfaite, avant de poser l'acte, il réfléchit aux conséquences qui viendront après. Amen. Amina. Et quand vous recevez cette intelligence, l'église sera gardée propre. La piété sera parmi nous. Et vous remarquerez que les gens marcheront dans la crainte de la parole. Amen. 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 Cherchons réellement cela. Et tout kabisa, il est. Et ça nous fera réellement du bien. Kabisa, Colossiens 1. Et Colossae, sur la 9 à 13. Et il dit c'est pour cela que nous aussi. Et sisipia, depuis le jour où nous en avons été informés. Et tokea, il est, si, il est, nous cessons de prier Dieu pour vous. Et nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérant et patient. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transformés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Dieu nous a délivrés. Vous ne pouvez pas continuer à être esclave du diable, esclave du péché. Je vous avais lu l'écriture le dimanche passé que les jours du péché sont déjà terminés. Et vous devez savoir que quand vous regardez bien dans Ésaïe 9, la Bible parle de Jésus et il parle aussi de son corps.
deux personnages là-dedans. Et kuna watu wawili mule ndani. Un fils nous est donné. Et mwana mmoja ametupea. Un fils nous est né. Kuna mwana mwenye amezaliwa. Et quand la Bible continue. Waka Biblia inaendelea. Que l'autorité. Anasema kwamba mamlaka. Sera déposée sur son épaule. Iyo itatiliwa juu ya ubega yake. Et quand frère Branham vient expliquer cette écriture. Wakati ndugu Branham anakuja kufasiri ile andiko. Il dit l'épaule de Jésus c'est son corps. Anasema libega ya Yesu ni mwili yake. Est-ce que chrétien peut dire amen? Yetu mukristo anaweza kusema amina. Est-ce que chrétien peut dire alléluia? Yetu mukristo anaweza kusema alléluia. Et ce corps là, na ile mwili ile, c'est son église. Et ni kanisa yake. Maintenant vous devez savoir une chose. Sasa mnapaja kujua kitu kimoja. Quand est-ce que l'autorité vient sur le corps? Wakati gani mamlaka inakuja juu ya mwili? C'est quand la tête vient. Wakati kichwa inakuya. Quand l'intelligence vient. Wakati akili inakuya. Le corps reçoit. Mwili ayo inapokea. La puissance. Ile uwezo. Et laissez-moi vous dire. Uniache nimielezee. Chaque église. Kila kanisa. Qui ne croit pas dans cette tête. Enye ayamini kweli kichwa. Et n'a pas la vraie puissance de Dieu. Aina uwezo ya kweli ya Mungu. Il faut d'abord être un avec la tête. Inabidi kupatana kwanza na kichwa. Et là la puissance. Na ndio utawezo. Descend. Inashuka. Le pouvoir. Ile uwezo. Le fils ne fait rien par lui-même. Mwana fanya kitu wake mwenyewe. Il ne fait que ce qu'il voit au père. Ye anafanya kile nye naona kwa baba. Et là dès que la tête vient. Na wakati kichwa inashuka. L'intelligence. Ile akili. Amen. Amina. Et là Jean 5, 19. Na pale Yohane 5, 19. Devient une réalité pour toi. Inakuwa uhakika maisha yako. Tu peux être en train de marcher. Unaweza kuwa unatembea. Arrête-toi. Uko pamoja nawe. Tu t'arrêtes. Eh oui, on a si mama. Il dit déclare telle chose. Anakuelezea si mama sema kifulani. Il déclare. Unasema ile. La chose arrive. Ile kitu nafika. Et une personne qui reçoit cela. Mtu mwenye anapokea ile. Vous pouvez l'entendre parler. Unaweza msikia anasema. Je sens quelque chose me dit. Mimi nasikia kitu mwenye alielezea. Et je déclare telle chose. Niseme kifulani. Ça ne vient pas de lui. Haitokei kwa huyo mtu. De la tête. Inatokea mkichwa. L'intelligence. Inatokea mwa. Qui est Jésus? Enye iko Yesu. Et quand vous êtes en contact na avec lui. Vous ne serez jamais faible. Vous avez le pouvoir. Amen. Amina. Il est temps que l'église manifeste. Madame dit, j'ai fait ma part de garder cette église. Ndugu Masani lifanya yangu ngambo ya kuchunga kanisa. Ipate kukesha. Amen. Amina. Et regardez que quand la tête la vient. Angalia wakati kichwa nakuya. Elle doit trouver un ministère identique. Inapacha kukutanisha huduma enye nafanana. À son ministère. Na ile huduma yake. C'est-à-dire, ni kusema, il doit se voir lui-même. Anapaja kujiona yeye mwenyewe. C'est pourquoi les prophètes disent dans l'exposé de cet âge. Ndio maana nabii anasema katika maelezo ya vizazi saba ya kanisa. Et quand Jésus a regardé les sept chandeliers. Wakati Yesu aliangalia ile kinara saba. Il s'est vu lui-même dans l'église dans les derniers jours. Alijiona yeye mwenyewe ndani ya kanisa mukizazi ya mwisho. C'est-à-dire quand Jésus descend. Ni kusema wakati Yesu anashuka. Jésus doit voir Jésus. Yesu anapacha one Yesu. Et quand Jésus voit Jésus. Wakati Yesu anaona Yesu. Il vient s'attacher à Jésus. Yeye anakuja kutila matisha na Yesu. Et les deux deviennent une seule chose. Na wote wawili wanakuwa kitu kimoja. Ah, Paul dit. Pale Paul anasema. L'homme quittera son père et sa mère. Mume ataacha baba yake na mama yake. S'attachera à son épouse. Atajiunganisha na mke wake. Et les deux deviendront une seule chair. Na wote wawili watakuwa mwili moja. Et Paul continue. Na Paul anaendelea. J'ajoute, je dis ceci. Mina sema iki. À propos de Christ et son église. Kwa kulinganisha Kristo na kanisa yake. Et le prophète dit. Na nabii anasema. Jésus a déjà quitté le palais de son père. Yesu haijatoka munyumba baba yake. S'il a quitté le palais de son kama père. Kama alitoka munyumba baba yake. Où est-ce que Jésus est? Une Yesu iko api? Est-il dans les airs? Est-il comme pepo? Est-il dans les firmament? Est-il comme wanga? Jésus est où? Yesu iko api? Dans son épouse. Iko ndani ya bibi harusi wake. Et na wote wawili wanakuwa une seule chair. Wanakuwa mwili moja. Je me sens très bien. Mimi najisikia
Que tout celui qui n'est
comme mgonjwa. Si tu es lié, kama ulifungwa, reçois ta guérison. Upokee ukombozi wako. Reçois ta délivrance. Upokee ukombozi wako. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Soyez bénis. Ubarikiwe. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Soyez sauvé. Uokolewe. Au nom de Jésus. Mwende. Soyez guéri. Mpone. Au nom de Jésus. Jina la Yesu. Reçois. Upokee. Tout ce dont tu as besoin. Maintenant la Au nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana mibariki.